vous allez quand même pas faire le reportage sans goûter au fromage. Nous sommes au cœur de l'Auvergne, au pays des fameuses salaires et du fromage de Cantal. Les Cantalous, comme on le dit, sont fiers de leur région. Quant à leur fromage, évidemment, c'est le meilleur. Alors, le matin, d'abord, il faut mettre les deux pieds en dehors du lit. Et puis, la première chose que je fais, je bois un bon café. Pour me réveiller, la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est la traite. Qui commence par la... comment dirais-je... le trempage. Puisqu'il y a différentes phases dans la préparation de la vache. Ensuite, on passe un chiffon humide, toujours pareil, avec un produit désinfectant, pour laver la tétine proprement parlée. Et on essuie ensuite avec un chiffon sec, un chiffon en papier ouaté, pour que la tétine soit souple et propre. Et ensuite, on branche donc la machine. Chaque tétine est branchée avec un manchon. Voilà. Et bon, en l'occurrence ici, vous avez vu, c'est un pipeline. C'est-à-dire que le lait est aspiré et remonté dans une canalisation et va directement dans le tank. Une fois la traite finie, on débranche, on repasse un produit orange en l'occurrence, qui est un produit désinfectant, qui va graisser la mamelle et en même temps la désinfecter, afin de pouvoir qu'aucun microbe ne puisse rentrer à l'intérieur de la mamelle. Une fois la traite terminée, en général toutes les bêtes, je monte donner donc à manger aux vaches. Alors ici c'est uniquement, enfin, les trois quarts de fourrage sec, foin et relu. Voilà, alors on monte, donc on va monter à la grange et on donne par des trappes qui permettent d'avoir accès directement de la grange dans la crèche, dans la mangeoire de la vache. Donc un peu plus tard, le laitier va passer pour collecter le lait. Et donc il fait ça dans un camion citerne. Il va donc aspirer avec une pinte le lait qui se trouve dans le tank. Donc ce lait, une fois ramassé, une fois stocké dans le camion, part donc à Saint-Bonnet-de-Salers, à la coopérative laitière, où il va servir essentiellement à la fabrication du fromage. Mais il y a également, puisque je suis en troupeau mixte, c'est-à-dire des laitières d'un côté, et également des vaches salaires. Et alors cela, c'est une... comment dirais-je, une... on les mène un peu différemment que les laitières, puisqu'il faut les veaux pour la traite. C'est-à-dire que la salaire ne donne pas son lait sans son petit. En l'occurrence ici, nous ne faisons pas la traite de salaire, des vaches salaires, mais ce sont les veaux qui se chargent de la traite. Voilà pour la partie salaire. Voilà, alors vous avez là un morceau de Cantal, et c'est un morceau que vous verrez là tous les jours sur notre table, parce que pour moi, le Cantal, c'est le meilleur des fromages. Bonjour, je m'appelle Jean-Louis Faure, je suis agriculteur, j'ai 54 ans et en même temps je suis président de la coopérative laitière de Saint-Bonnet-de-Salers. Cette coopérative laitière regroupe à peu près 70 producteurs qui délivrent leur lait journalièrement à Saint-Bonnet. On traite à peu près 6 millions de litres de lait qu'on ramasse, je l'ai dit tout à l'heure, journalièrement. Et on emploie une quinzaine de fromagers, ramasseurs et autres. La coopérative laitière, je pourrais le dire aussi, a 50 ans d'existence. On fabrique plusieurs sortes de Cantal. Nous commercialisons de la tome que vous voyez là dans notre vitrine réfrigérée. Cette tome a 24 heures et sert à faire les fameux plats auvergnats, aligots, truffades et ainsi de suite. Ensuite, le fromage qu'on appellera Cantal doux et qui a 30 jours d'affinage. Le fromage entre deux, qui est lui beaucoup plus typé, qui a la croûte plus épaisse et plus brune, et qui a entre 3 mois et 6 mois d'affinage. Ensuite, le Cantal vieux,
qui lui peut avoir jusqu'à un an d'affinage. Là, c'est un produit très typé avec un goût très prononcé. Et enfin, nous avons une production exclusive à Saint-Bonnet-de-Salers, le Cantal au lait cru, fait avec du lait de vache Salers traite. Alors, ce Cantal est un peu spécial. Nous ramassons ce lait à part avec un camion qui fait que du lait de vache Salers. Nous le traitons à part dans les cuves de Saint-Bonnet et nous l'affinons dans nos caves également. Maintenant, je vais vous emmener voir comment on fabrique du Cantal. Vous avez qu'à me suivre. Le lait, une fois arrivé à la laiterie, est transvasé dans une cuve où il est réchauffé à une température de 32 degrés centigrades. On y ajoute une dose de présure afin d'obtenir ce que l'on appelle le coagulum. Le cahier formé est découpé en cubes de 1 cm de côté, puis brassé. Le sérum est évacué, le cahier rassemblé en une masse compacte, le gâteau de cahier. Mais le travail d'égouttage n'est pas terminé. Le cahier est disposé sous les prestum à raison de 80 à 100 kg pour chaque appareil. Le pressage commence. Le cahier sera retourné et redécoupé de nombreuses fois pour expulser le plus de sérum possible. Après ce pressage, intervient la maturation de la tome, phase typique de la fabrication du Cantal. La tome est placée dans une pièce tempérée aux environs de 12 à 15 degrés centigrades. Cela a pour but de favoriser le développement des ferments lactiques naturellement présents dans le lait. Il se produira donc une acidification qui assurera une protection, ainsi qu'une modification de la structure physique de la tome nécessaire à son affinage. Cette opération dure 8 heures environ. La tome maturée est alors brisée en cosses de la grosseur d'une noisette à l'aide d'un broyeur. Autre caractéristique de la fabrication du Cantal, le salage intervient au cours de cette opération. Le sel est ajouté à la tome broyée à raison de 20 à 23 g par kilo de tome selon la saison. Le mélange est effectué par brassage successif. Les fromages sont alors moulés. Cette opération est réalisée en tassant la tome broyée dans une toile fine tapissant l'intérieur d'un moule de 50 cm de haut et 38 cm de diamètre. Les moules ainsi remplis sont clos à l'aide d'assiettes métalliques coiffant chaque extrémité et placées sous les pressoirs. Au cours du moulage, les fromages sont identifiés à l'aide d'une plaque en aluminium de couleur blanche qui est incrustée sur le côté de la pièce. Le deuxième pressage se fait d'une manière progressive. Léger au début, il ira en s'accentuant. On effectue plusieurs retournements et changements de toile au cours de pressage et l'opération dure 48 heures. Enfin, les fromages sont démoulés. La toile qui a servi de drain est ôtée. Les pièces sont dirigées sur la cave d'affinage. Le fromage a alors sa forme définitive de fourme de Cantal. A noter que le Cantal est la seule pâte pressée non cuite à être pressée deux fois avec broyage de la tome entre les deux pressages. Salers, c'est le nom donné à une race de vaches d'Auvergne. Mais c'est aussi le nom d'un des plus jolis villages du Cantal. Le restaurant Le Bailliage se situe juste à l'entrée du village. Jean-Michel Gouzon en est le chef de cuisine. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Gouzon. Je suis chef au restaurant Le Bailliage à Salers. Aujourd'hui, je vais vous présenter une salade aux frites de Cantal. Pour faire cette recette, il me faut du Cantal entre deux, de la chapelure, une anglaise, de la salade frisée fine,
de l'échalote, une tomate, un œuf dur, une pomme fruit, du jambon de pays, du persil haché et un petit peu de décoration. Tout d'abord, pour cette recette, donc, on va préparer les juliennes de pommes et de jambon. Voilà, donc j'ai coupé mes œufs en quatre, j'ai fait la julienne de pommes, les tomates coupées également en quartier, et la julienne de jambon, et l'échalote hachée. Maintenant, l'assiette est montée, il nous reste à faire les frites au Cantal. Donc je vais couper mes frites dans ce morceau, comme si on coupait les frites dans de la pomme de terre. Maintenant, on va le paner, c'est-à-dire on va le passer dans l'anglaise puis dans la chapelure deux fois. Deux fois dans la chapelure. Très bien. Ça demande quand même délicatesse et dextérité. Des frites de Cantal. Je trouve cette recette particulièrement originale. Et voilà. Elles sont prêtes à frire. Donc, on va frire les frites de Cantal. C'est très rapide, hein? Voilà, il faut vite enlever du feu. Il faut vite les enlever, sinon elles éclatent. Voilà, maintenant je vais donc disposer les frites sur la salade, tant qu'elles sont encore chaudes. La petite décoration. Donc voilà la salade terminée, la salade donc aux frites du Cantal, que vous pouvez venir manger au bailliage à Salaire. Bonjour, je m'appelle Gilles Bénèche, j'habite à Anglard-le-Pommier. Je suis producteur de lait, fabricant de fromage, Salaire et Cantal fermier. Pour fabriquer du Cantal ou du Salaire, le point de départ, c'est le lait. Donc on va traire deux fois par jour, tous les jours, dans des cuves en bois qui s'appellent dans notre région des Gerles. Dès que la traite est terminée, le lait est amené à la fromagerie où il est emprésuré. La présure, c'est un coagulant, donc c'est fabriqué à base de caillettes de veau, puisqu'à l'intérieur de la caillette du veau, il y a un suc gastrique qui s'appelle la chymosine et qui fait donc coaguler le lait. On met de la présure, 50 à 60 minutes après, on travaille le caillé avec un appareil qui s'appelle le tranche-caillé, qui a pour but de séparer le caillé du petit lait. Le caillé est ensuite brassé, et on le laisse se reposer une dizaine de minutes avant de le rassembler. Ce tranche-caillé s'appelle en occitan la frégnale. Quand le caillé s'est bien reposé, il faut le rassembler pour pouvoir soutirer un maximum de petit lait au premier pompage. Une fois que le petit lait est soutiré, il est entreposé dans une cuve au-dessus d'une écrémeuse. Cette écrémeuse va retirer la crème présente dans le petit lait. La partie caillée est mise dans une toile et va être pressée pendant 1h15 à 1h30 pour obtenir de la tome. Cette tome mature de 24 à 30 heures. Elle est ensuite brisée, salée, et quand elle est restée au sel au minimum 5 heures, elle est mise en moule. Elle reste 48 heures en moule et ensuite est conduite à la cave pour être affinée. Je récupère donc mes fromages 3 à 4 mois après les avoir fabriqués pour les revendre ici sur l'exploitation, pour les expédier à des clients, des crémiers un peu partout en France et puis pour les vendre sur les marchés puisque mon épouse fait des marchés dans la région. Dans un atelier fermier, nous avons deux fabrications. Nous faisons du Cantal quand les animaux sont nourris à l'étable et n'ont donc pas accès aux pâtures puisqu'il n'y a pas d'herbe une partie de l'année ici dans le Cantal. Et dès que les animaux sont nourris exclusivement avec de l'herbe pâturée, nous fabriquons du Salaire. Quand on fabrique du Salaire, il faut traire individuellement un seul troupeau. Il faut fabriquer le lait deux fois par jour, après chaque traite. Il faut mouler dans le moule particulier que vous avez vu tout à l'heure à la salle des presses. Et il faut affiner 90 jours. Sur chaque fromage est apposée une marque particulière qui inscrit le nom du fromage, c'est-à-dire Salaire. Et il y a une plaque aluminium qui est rouge, contrairement à celle du Cantal qui est blanche. Le Cantal a des qualités extraordinaires au niveau gustatif et en plus, on peut en manger autant qu'on veut. Moi, je pense qu'on ne s'en lasse jamais. Dans le petit village de Calvinet, Bernard-Louis Puech cuisine de manière unique. Oui, c'est le mot. Les produits du terroir.
Bonjour, bienvenue à Calvinet en châtaigneraie cantalienne. Je vais avoir le plaisir de confectionner pour vous un gratin de macaroni au Cantal doux, comme autrefois. Alors, pour réaliser cette recette, j'ai besoin d'un beau morceau de Cantal doux, laitier, au lait salaire, de la crème épaisse, beau morceau de beurre et de pâte sèche, des penne italiennes et un peu de Cantal, bien sûr, que l'on aura râpé avec un assaisonnement de sel, de poivre moulin et de muscade. C'est tout. Bien, dans un premier temps, la cuisson des pâtes à grande eau bouillante, salée. Nous avons amené ces pâtes à ébullition de façon à les blanchir. Après 12 minutes de cuisson, on va pouvoir égoutter les pâtes qui ont bien sûr gonflé en cuisson. Là, je vais aller chercher ma crème fraîche double. Une belle noix de beurre qui va servir de liaison. L'assaisonnement. Sel, poivre et très important, la noix de muscade râpée. On retrouve les ingrédients du gratin de pommes de terre adapté aux pâtes. Bon, cette recette serait incomplète sans, bien sûr, l'apport du Cantal qui va arriver maintenant un élément de liaison de l'ensemble de la préparation. Et on va terminer cette cuisson tout doucement à couvert sur le coin de notre fourneau. Là, on va procéder au dressage de ce plat qui dégage déjà un très bon fumé de Cantal. Donc le dressage se réalise avec une petite attention particulière au niveau de la présentation des macaronis. Il ne nous restera plus qu'à enfourner dans un four bien chaud, thermostat 8, ce gratin de macaronis. 15 minutes après, donc, on va sortir ce plat de gratin de macaroni qui a pris de la couleur que l'on va apporter sur notre assiette de service. C'est chaud, c'est chaud. Alors rien que pour vous, ce plat à découvrir dans ma maison à Calvinet, je vous attends. Xavier Morin habite Aurillac et il se dit petit affineur. Mais ses fromages sont partout en France et il est passionné, voire même chauvin. Et quand il parle du Cantal et du salaire, rien ne peut l'arrêter. Bonjour, je m'appelle Xavier Morin, je suis marchand de fromage affineur à Aurillac. Nous sommes installés à Aurillac depuis une quarantaine d'années et je suis donc la troisième génération à reprendre les rênes de l'entreprise. L'affinage, qu'est-ce que c'est ? L'affinage en priorité, c'est une cave. À savoir un endroit clos, relativement obscur, où ne rentrent les gens à l'intérieur que pour s'occuper et uniquement pour s'occuper des fromages. Donc le fromage, il arrive dans cet endroit où règne une température avoisinant les 9 à 10 degrés, où il y a une hygrométrie prête de la saturation, à savoir 97-98% d'hygrométrie. Et pourquoi cette hygrométrie? Parce que justement, c'est cette hygrométrie qui va permettre au fromage de se développer et à la croûte de se développer grâce aux soins des hommes qui sont passionnés par ce métier et qui viennent retourner, frotter, bichonner ces fromages tout au long de l'affinage.
Alors les conséquences de l'affinage, l'évolution de la croûte, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous écrasons ce pénicillium sur les croûtes. Et la croûte se crée au fur et à mesure. Et là, vous avez l'exemple, le process de création de la croûte. Donc ici, vous avez le Cantal doux, 30 jours. Vous voyez pratiquement pas de croûte, ou alors une très très légère croûte ici. Une pâte bien souple, bien grasse, mais une croûte très très légère. On poursuit ensuite l'affinage. Et au bout de 3 ou 4 mois, 4 ou 5 mois, 5 mois exactement pour cette pièce, vous voyez que la croûte s'est très très bien développée. Et si on se rapproche un peu, on arrive à voir les différentes strates, un peu comme un arbre, si vous voulez, où quand on coupe le tronc, on voit les cercles de croissance de l'arbre. Et bien la croûte, quelque part, c'est un peu ça, jusqu'au stade d'entre-deux, juste avant le vieux, presque... On pourrait presque deviner l'âge de ce fromage grâce aux différentes strates, l'humidité, ce pénicillium que l'on a, nous, écrasé sur le fromage au fur et à mesure. Et après, comme je vous l'ai expliqué, on arrive ici au vieux, même au très vieux, un fromage d'un an, où vous voyez la croûte, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, disparaît. Elle rentre dans le fromage. Autant ici, elle se crée par l'extérieur, là, elle rentre dans le fromage. Vous voyez, ce fromage-là est beaucoup plus vieux que celui-ci. Pourtant, il apparaît une croûte beaucoup plus faible. Par contre, elle rentre. Elle est beaucoup plus présente dans la croûte. Et elle va rentrer dans ce fromage-là. Et je dirais qu'en théorie, si on laissait ce fromage-là s'affiner encore un an ou deux ans, il n'y aurait pratiquement plus rien à cœur. La croûte rentrerait à l'intérieur du fromage. Alors. La plaque, c'est la carte d'identité du fromage. Qu'est-ce qu'elle comporte? Tout d'abord, deux lettres, CA, pour expliquer, pour signifier que c'est du Cantal. Ce serait du Salers, il y aurait SA. 15, puisque c'est le numéro du département. Le Cantal peut se fabriquer essentiellement dans le Cantal et sur une toute petite partie de l'Aveyron. Et ensuite, deux lettres qui identifient le producteur. EP, c'est la coopérative de Saint-Bonnet. Dernière chose, sur la plaque, pour la traçabilité, on indique le quantième, à savoir le jour de fabrication. Le Cantal, pour moi, c'est mon métier, ma vie, mais surtout ma passion. Gilles Coste, lui, marche sur les pas de son grand-père. Il est affineur et ses caves sont, disons, un peu particulières. En voit-il seulement le bout. Bonjour, je m'appelle Gilles Coste, je suis fromager affineur à Murat, dans le Cantal. Vous êtes ici devant la gare de Chabriac. Qui est à 15 km de Saint-Flour. Cette ligne avait été tracée par l'agence SNCF Paris-Orléans et elle n'a, je crois, jamais servi. D'où le rachat par mon grand-père en 1968 exactement. Vous êtes ici dans un tunnel d'affinage. Donc ce tunnel réunit toutes les conditions optimum d'affinage, c'est-à-dire une température régulière et surtout donc, on évite d'avoir une production de froid. Autrefois, la fabrication du Cantal nécessitait davantage de contraintes. La mécanisation n'existait pas et le travail manuel était rude. Quand on fabriquait du Cantal, on avait moins de bêtes qu'aujourd'hui, on triait des vaches salaires. Seulement, c'est des vaches qui avaient environ 10 litres de lait par jour, pas plus. Hein. Alors après, ce lait, il était mis dans des bacs, vous savez, ce qu'on appelle une gerle, un bac en bois. Alors ce lait était ramené dans le bureau, c'est ce qu'on appelait le bureau, la laiterie, quoi, ancienne. Là, on y ajoutait la présure, tout de suite, tant qu'il était chaud, et on le laissait reposer pendant une heure. Au bout d'une heure, il fallait découper le cahier, vous savez. On avait un genre de... comment on appelle ça, un coupe-cahier, quoi, un brise-cahier. Alors une fois qu'on avait coupé ça, avec une planche qu'on passait autour du récipient et du bac, quoi. On tournait autour pour grouper, vous voyez, pour lier le cahier qui se liait ensemble par le calcium. Et ça faisait un bloc dans la gerle. Bon, alors après, ce cahier-là, on le prenait, on le mettait dans une presse à tomes, on appelle ça. Et on pressait progressivement, pas trop fort, sinon
la matière grasse s'en va et le petit lait il reste dedans, lui il ne parle pas. Et voilà. Et puis alors quand il y avait suffisamment de tomes pour faire une pièce de fromage, on la passait dans une friseuse, vous savez, genre de brise tomes quoi. Et on le mettait là-dedans, et ça tombait dans une mêle. On ajoutait du sel pour la conservation. Et avec à l'aide d'une pelle, vous savez, qu'on avait, on la mettait dans ce moule-là. Et après, on la mettait sous la presse à fromage. Alors là, on serrait progressivement. Il ne fallait pas serrer trop vite non plus. Hein. Et au bout d'un quart d'heure, on la retournait. Et au bout de 24 heures, on avait une pièce de fromage qui faisait 40 kilos ou 30 kilos, ça dépendait quoi. Et c'est ce qui se fait encore, mais enfin, ça ne se fait plus par les mêmes méthodes. Quoi.